La chasse est un fait social qui génère des rapports humains. Que peut-être d'autres activités ne génèrent pas. Donc, sur ce plan-là, la convivialité, l'accueil, le, le, le fait de la solidarité, le, le rapport à la faune aussi, parce que on sait ce qu'est un rhinocéros, parce que c'est un mouflon chez nous. Dans tout ça, on a la possibilité d'intervenir, et, et nous essayons de le faire avec des contacts avec le monde de, de l'enseignement, en particulier, parce que bon, on considère que euh, c'est un peu ridicule quelque part. D'avoir cette connaissance qui est en train de se généraliser, Internet, le monde entier, en temps réel. On va aller voir en temps réel le, le, le jour même à la seconde presse et on ne sait pas ce qui se passe à proximité. Nous sommes des ruraux eh, qui aimons cette proximité et, et vivre dans, dans, dans ces milieux naturels. Donc, de notre volonté à pouvoir justement être des intervenants euh, euh, sur le terrain, être des intervenants auprès des élus, d'être. Euh, pratiquement on, on ne doit pas pouvoir se passer de nous dans la matière d'aménagement du territoire et à ce moment là. Je pense que, bon, on est sur des pentes, effectivement, on perd des chasseurs tous les, tous les ans, mais euh, là encore, on sent euh, un peu un palier actuellement. Je crois que les chasseurs ont pris conscience que euh, s'ils ne s'impliquent pas, ils vont à la mort certaine, hein, en, en, en nombre, en qualité, etc. Donc, il euh, y a une prise de conscience actuelle, et j'espère, comme vous disiez, que du haut du Canigou, nos enfants et nos petits-enfants pourront euh, regarder encore des, des battues, des, des, des organisations. et, et à travers cette organisation, justement, je crois que on monte notre sérieux et donc ça peut permettre un certain espoir.